Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moment de relaxation sur du Mobile One, le rallye. J'en ai besoin. J'ai la frustration de ne pas avancer dans ce que je fais. Au moins pas aussi vite que je ne le souhaiterais. Soupir. Charger un championnat. Je m'étais fait avoir la dernière fois parce que j'avais foncé dans les options faire un chargement et ça marchait pas. J'étais effrayé, j'ai merde, faut tout, je recommence. Non, il faut relancer un championnat. Alors, dans le même championnat, et seulement là on dit qu'on charge la carte mémoire. Parcourant les routes étroites de l'Irlande du Nord, elle est souvent marquée par une météo capricieuse qui, en plus d'une chaussée particulièrement imprévisible, apparente le choix des pneus à une véritable loterie. L'asphalte irlandais ne ressemble à aucun autre. Recouvert de gravillons aux intersections, il souillé par les machines agricoles partout ailleurs, il peut se révéler encore plus glissant que la terre. Parmi les pilotes à avoir gagné en Ulster, figurent Gunther Evans, Mark Higgins et Colin McRae. Bah, allons-y pour cette dernière étape du rallye de d'Irlande du Nord. Je pense que j'enchaînerai derrière. Je pensais changer de jeu, mais finalement, je pense que je restais sur le Mobile One jusqu'à midi et quelques. Je ferai de l'arcade. Parce que, après cette étape d'Irlande du Nord, il me reste un rallye de 6 étapes. Et ça ira pas jusqu'à midi, ça ira jusqu'à 11h, je pense. Et de 11h à midi, je vais me frotter à l'arcade. Je pense que c'est pas bon mal. Thank you.
C'est bizarre que dans le décor il y a une colline couleur 1. Surprenant. Je pensais pas qu'il y aurait ça en Irlande du Nord. Vraiment surprenant. Ah, arrivé. Mon dernier, merde. Bonjour Twinsen, comment on va? Ça va gaiement apparemment, c'est bien. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un cours d'eau qui coulait là sur le côté. On va trancher. Ah, trop mimi. Alors je rappelle que je suis dans la dernière étape de l'Irlande du Nord là. Non, pardon, j'ai pas pris le temps de les regarder. J'ai vu hein, que tu me les avais postés. Mais non, pardon, j'ai pas le réflexe de les regarder. Là, je t'avoue que ce matin, je me suis vautré sur Tomb Raider 3 quand je pouvais me ruer là sur mon ordi. Je voulais essayer de me dépêtrer tout seul de mon... Je suis coincé en Arctique dans Tomb Raider 3. J'ai pas encore trouvé ce qui me fait défaut dans la partie, ce que j'ai oublié de faire, sachant que j'ai dû m'arrêter brutalement puisque le jeu a crash. Donc après j'ai fait une bricole dans ma coulisse de chaîne, j'ai rajouté l'option que Tomouf souhaitait, c'est que pour j'ai mis 5000 points de chaîne, vous pouvez proposer votre relais de chaîne quand je rends l'antenne. C'est vrai que l'option là elle est plutôt populaire sur Twitch. Et je la proposais pas encore, et pourquoi pas. Ouais. Donc, non, pardon, les bandes annonces, très honnêtement, si j'y pense, je les regarde ce soir, mais ce soir, il y a Bastos. Donc, je risque d'être hypnotisé par le contenu que proposera Bastos. Je serai plus apte à regarder ça demain, je pense. Et Symphonia, ouais, qui est gratos, c'est pas très long à faire. Ouais. Je sais même pas si je vais relancer un Linux tout à l'heure, si peut-être en revenant de ma réunion, je serai seulement Linux ce soir. Ça permettra de faire 2-3 vecteurs de productif. Je récupère mes identifiants GOG pour télécharger Symphonia à ce moment-là. Mais voilà. Non, ça me fait suer, là j'ai les patins en rouleau de mon imprimante qui sont trop lisses à l'usure. Il faut que je les rende abrasifs avec un papier de verre. J'ai toujours mon souci de document pour ce soir là. Il faut que j'imprime 6 pages et que la première qui est passée.
Mon imprimante aspire plus les feuilles, alors elle fait erreur. Ça fait suer. C'est truc bête, hein, mais qui est chiant. Ça et un DVD à graver pour une collègue. Alors j'ai préparé la maquette en amont, mais il faut que je me trouve un DVD vierge et que je le grave. Sachant que le truc le plus chiant, c'est de trouver le DVD vierge. Je sais plus où je les ai rangés. Bref. Ah là 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 là. Vous connaissez mes misères du moment. Oui, mais moi aussi j'ai la chance d'en avoir. Mais si voilà, je crois savoir qu'ils sont dans mon meuble. Ils me font une face là, sur le mur opposé. Ah là 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 là, c'est pire. Oh, 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 comment j'ai percuté la barrière, on l'a entendu. Lâche. Bien, tu vois, c'est une scène, je suis en train de penser, comme on parle un peu de technologie là, avec les DVD. J'aurais une grosse communauté, on va dire une centaine de personnes, à peu près régulières. Je pourrais pas m'empêcher chaque émission de proposer un sondage. Là, je serais curieux de poser la question, êtes-vous propriétaire d'un graveur de bourrée? Ça m'amuserait de savoir. Ah, c'est des roms, toi, par contre. Ah, ouais. Ah là là. De la saison, d'autant plus qu'elle se déroule dans ce haut lieu du sport mécanique qu'est l'île de Man. Cette épreuve représente le défi ultime en matière de rallye sur asphalte. La largeur de la route est incroyablement inégale, la chaussée peut être lisse comme un billard ou terriblement bosselée, et la météo peut changer en un clin d'œil. Au fil des ans, le rallye a été le témoin de bagarres mémorables pour le championnat, notamment en 97 où 5 pilotes, pas moins, pouvaient prétendre au titre national le plus prestigieux de la spécialité. Ouais ben je suis comme toi, j'ai graveur DVD mais bourré, j'avais pas intérêt à investir dans cette technologie. Moi. Alors, revenons au jeu. Là ils viennent de parler de l'île de Man. Il se trouve qu'il y a une compète sportive motorisée sur deux roues, les motos, à l'île de Man. Il y a un tracé un peu comme le circuit du Mans en fait, en France, pour les voitures et autres, les motos aussi d'ailleurs. Mais ça fait une grosse partie du contour de l'île de Man, donc c'est un tracé qui fait 30-40 km je crois. Et c'est impressionnant de les voir parcourir le tracé très vite à fond la caisse en moto ou en sac car, c'est très particulier, c'est très anglais. Merde. Et vous trouvez assez facilement des vidéos sur le net. Sur YouTube pour pas le nommer, vous regardez compète moto île de Man, MAN. J'avais eu la chance d'avoir le tracé modélisé par des passionnés, ils ont fait un excellent boulot dans GTR2, le simulateur automobile. Je m'étais amusé avec une petite bagnole à faire le dit tracé de l'île de Man. C'est hyper technique, vous avez pas le droit à l'erreur. Il y a eu des morts hein, d'ailleurs, faut pas se voler la face hein, avec un tracé pareil. Vous vous loupez, vous vous tuez sinon. Donc je me souviens plus qu'il y avait le rallye évidemment. Oula, 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 oula. Je fais n'importe quoi avec la Peugeot là.
Oula. Oh, oh. Alors avec la simple rambarde en bois, je crois que j'aurais fait une piquée dans la... Dans la mer. Vache. Les parpaings en béton armé. Donc j'ai respecté ma tradition de me débarrasser de mon pare-choc arrière. Et interne, ouais. Non, moi je l'ai en externe sur USB, mon graveur DVD. J'en avais un interne avant, mais il a fini par mourir de sa belle mort. Quoi. Merde, bon. Bah, peut-être que j'écoute mon copilote. Artificielle avec les bottes de foin. Vicieux ça. J'ai cru que le virage était plus prononcé que ça. Pas gauche. Bonjour Fanfan. Oh la vache, ça saute de fou. Oh là là, c'est très vallonné là. Je pense que c'est la balayeuse que j'entends du quartier. Balayeuse municipale qui passe. Donc du coup, étant suspens le fait que je diffuse tout à l'heure de 14h à 16h, honnêtement je sais pas. Je sais pas parce que j'espère qu'entre midi et deux j'aurai pas à me battre trop longtemps avec mon imprimante pour les 5 pages restantes. La gravure DVD devrait pas poser problème, mais d'ailleurs je ferai les deux en même temps. Je pense que la gravure du DVD sera au moment où je me battrai avec les 5 feuilles dans l'imprimante
pour qu'elle me les aspire et qu'elle me les imprime. Puis à partir de là, moi je serai prêt pour ma réunion de travail, donc je pourrais comment dire, reprendre l'antenne pour 2 heures, puis à 16 heures je couperai ou je ferai un relais chez je sais pas qui. Et puis je ne diffuserai plus de la journée, je rentrerai chez je sais pas quelle heure le soir, peut-être vers 20 heures, pour revoir Bambastos. Il aimait ce soir du, il avait dit du Pride, donc c'est bien, ça me change les idées. Donc, par rapport à ce que tu as déclaré de mis à jour FunFan, concernant ton agenda, tu diffuses du Duke Nukem jeudi après-midi. Vendredi, je sais plus ce que tu proposes. Enfin bref, ta prochaine prise d'antenne, c'est jeudi après-midi sur Duke Nukem version française. Salut. Bonjour Olive. J'espère que ça va bien. Oui, le rétro, mon cher FunFan, oui. J'ai bien désossé ma tuture. Plus de pare-choc avant, plus de pare-choc arrière. Oh là là, comment je me suis encastré sur la haie, moi. Ah, j'ai fait l'app, comme d'hab. Ça fait marrer quand même que dans cette simulation, les émissions de gaz des tutures ont un effet bleuté turquoise. Alors c'est pas idiot au niveau du rendu, mais je trouve que c'est un peu trop bleuté et pas assez grisâtre. Et du coup j'ai l'impression qu'elle carbure avec le combustible des fusées là. Ça fait presque flamme bleue, ça me fait marrer. On va dire que ça me fait sourire. Allez, étape suivante sur l'île de Man. Belle agir.
Véron de la Dour. Yeah. Bien, bien, bien. C'est horrible, mais ça marche bien. Oh, ah, je m'attendais pas à celle-là. Je suis laissé surprendre. Je pensais que ça, c'était plus serré que ça le virage. Ouais ouais, elles sont vachement solides hein les... Ils ont des végétaux en béton armé là. La vache comment ça saute. Des montagnes russes. La trajectoire était pas bonne, je l'ai vu trop tard. Ah, arrivé. Pas dernier, bien. J'entends le bruit du CD-ROM dans le manche disque de la PS3. Je trouve. Ah là là. Ouais,
après ce dernier championnat là, je vous présenterai le mode arcade, qui est pas évident. Ça se dit arcade, mais il est pas évident en fait. Je vous expliquerai pourquoi le moment venu. Oui, je pense que pour l'occasion, je changerai de tuture en arcade. Je quitterai la Peugeot pour autre chose. Ah oui, les décors sont chouettes, hein. Non, mais Alors, je réfléchis dans la chronologie. Ce jeu date de l'an 2000. J'ai dû l'avoir, j'ai dû le découvrir, je crois, en 2005, en 2006, si je dis pas de bêtises. Et j'étais, mais alors, émerveillé, quoi. C'était... J'avais vraiment l'ivresse d'être sur place, quoi. J'ai dit, mais c'est génial! Vivement les prochains jeux de rallye, quoi. Et... Bah, navré de constater que dans les jeux de rallye suivants, qui sont certes ont chacun leur charme, il n'y a pas cette richesse du décor. En fait, là où ils ont fait un excellent boulot, c'est qu'ils ont varié les éléments de décor. Il y en a beaucoup qui sont uniques. Certaines bâtisses sont uniques. On les voit qu'une seule fois dans une étape précise. Et ça fait tout le charme du jeu. Alors que dans les jeux récents, on peut vite deviner des jeux de copier-coller en duplication, de duplicata de texture ou de forme. C'est, voilà, c'est autre chose, vous m'aurez compris. Mais sérieusement, il y aurait une mise à jour. Imaginons qu'ils conservent le moteur actuel, la graphique, même autant bruit de pixels que ça, j'ai envie de dire, aujourd'hui, peut-être que ça se présente. Avec juste une mise à jour de la base de données, c'est-à-dire il y a des nouvelles étapes rafraîchies chaque année, édition après édition, je m'abonne. Hein. Franchement, je prends. Hein. J'adorerais, j'aurais l'impression de parcourir les routes du globe. Bon là, on est sur une production où ça se passe au Royaume-Uni, de manière très localisée. Mais il y aurait toute la planète de modéliser en à peu près fidèle, là, avec cette patte graphique, on va dire, cette direction artistique, je signe tout de suite. Hein. J'adore. Mais c'est là où je suis un peu déçu de mon... J'ai dû me faire avoir dans les noms et les acronymes des jeux de rallye. Celui-là, le deuxième, hein, donc je rappelle que ça correspond pas à celui qui est à l'écran. Mais le deuxième que j'ai pris, je pensais que c'était le même moteur. Dans les pays étrangers, c'est-à-dire vraiment international, là, comme son nom l'indique, International Rally Championship. Et c'est pas celui auquel je pensais, qui a le même nom en version PC, donc qui est une homonymie, mais qui ne désigne pas le même produit d'un support à l'autre. C'est-à-dire du côté PC, du côté PlayStation. C'est dommage, je suis un poil déçu. Alors je vais pas bouder hein, ce jeu de rallye, je vais vous le faire. Mais comment dire, il va falloir que je me remette en quête de l'autre. Celui-là aussi, j'y ai passé des heures. Alors il est pas aussi bien que... Enfin, je lui trouve un peu moins de charme que celui-là. Mais je le considère dans la même trempe. Il faudra que je le retrouve. Voilà, troisième étape sur 6. Allez, on continue. Le plaisir se poursuit. Ah là 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 là. Ouais, quand il sonnera les midi, j'arrêterai d'émettre. Je finirai ma dernière course en cours et puis je rendrai l'antenne. J'ai le temps de faire mon yam, de faire ma paperasse là, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si j'arrive à tout boucler pour 14h, bah, j'en reprendrai l'antenne pour des petites heures, avant de partir à Marine. C'est le scénario idéal. En tout cas, merci à vous d'être là.
Oh, c'est beau. J'aime bien la vue en plongée là. Soit si noir. Pourquoi on n'est pas de nuit là? Merde, j'ai pas compris, c'était par là. Le ciel est d'un sombre là. Non, c'est l'horizon, tech. Non, c'est l'horizon, je suis bête. Il y a peut-être un orage au loin, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve que le contraste est assez violent entre le premier plan et l'arrière-plan. C'est assez rapidement bouclé. A été trop courte pour que je me détache de mon pare-choc arrière. J'ai fait une fausse manip, pardon, j'ai coupé la musique. Oula, je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Tant pis. Oui, tiens. Alors que je relance ma publicité là pour pouvoir me joindre, me contacter pour ceux qui s'intéressent, j'ai eu un commentaire qui m'a surpris sur YouTube là que j'ai pas validé, hein, vous pouvez pas le voir. Mais
j'avais entre crochets en fait avec un smiley de tapé dans les mains, bravo quoi, pardon. J'avais le nom d'un logiciel que je connaissais pas, que je connais pas d'ailleurs, puisque je l'ai pas encore étudié, mais j'ai juste compris que l'acronyme était un logiciel promo NS, je sais plus, un truc du genre là. Pareil, encore un truc qu'il va falloir que j'étudie, et ce que j'ai pu comprendre, c'est un logiciel qui permet de faire de la publication en instantané sur tous les réseaux. C'est-à-dire qu'il gère les formats Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, tout ce que vous voulez comme réseau. Reddit, là je sais plus quoi, il y en a plein. Se battre au soleil, se baigner dans l'eau claire. Le bestiau. Mais même moi qui suis une chaîne embryonnaire, j'arrive à avoir. C'est la folie internet. J'arrive à avoir des pubs ciblées sur promotion de logiciels. Oh là là, soupir. Allez, étape 4. Dégager de nuit. Alors là, pour le coup, c'est clair. Je vais m'offrir une nocturne. Ah, pourvu que je pète pas mes phares. Là, je vais être en stress. J'ai un voisin qui passe à tondeuse, là. Oui, j'ai un voisin qui passe à tondeuse. Vache. On entend le vacarme de sa motorisation. À la haie blindée. Quel était donc la fin ? Se battre au soleil, se baigner dans l'eau claire d'une rivière, manger les fruits de la terre dans l'oubli fatal que les fruits du travail. Mais où est-ce que c'est grande ligne droite, hein. Vache. Là, pour le coup, à nouveau, j'ai l'impression de faire un rallye raid à la Paris-Dakar. Là, on est bien dans les terres de l'île de Man. Merde, j'ai pas écouté le copilote.
Message de FunFan 1992, anecdote inédite et c'est pas du Gorafi, dans une ville ils ont installé un dos d'âne, une semaine après il était volé. Non. Non, enfin volé. Je pense que ça a été saboté, c'est-à-dire que ça en emmerdait un en particulier, et puis il l'a saboté. Et... Alors, ton anecdote de dos d'âne, moi j'ai eu un cas similaire là où je vais aller faire mes courses de temps à autre près de chez moi. Il y avait effectivement un ralentisseur qui sont normalement vissés au bitume là. Et il se trouve qu'il était en partie dévissé. Sur ses 4 points d'attache, il n'avait plus qu'un de valable. Et on voyait le ralentisseur qui était de traviole, quoi. Et je l'ai signalé à la mairie pour leur dire, mais il faut absolument que vous fissiez ça, parce que pour peu qu'il y ait un véhicule assez lourd, déjà une camionnette, voire carrément un camion qui passe par là, votre truc, il est arraché et ça devient un projectile super dangereux. C'est bien, ils ont fait le nécessaire assez rapidement. Par contre, alors, du coup, je bascule sur la sécurité routière. C'est une association d'idées. Il y a un truc qui m'agace au plus haut point, c'est les nigauds, les abrutis qui s'amusent à effectuer une rotation des panneaux de signalisation. Je le remarque de plus en plus. C'est d'une débilité et d'une dangerosité de fausser la signalisation. Merde, j'ai une oreillette qui se barre de mon pavillon d'oreille là. Non, mais ton anecdote, fun fact, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui a pas apprécié que ce soit instauré. Et il l'a bousillé, il l'a saboté, il l'a bazardé je sais pas où, parce qu'il en voulait pas. Et dans le même genre, il y a, là aussi je le déplore, il y a les vols de panneaux d'annonces d'agglomération. Vous savez, les grands cadres horizontaux, encadrés rouges pour annoncer le nom du patelin. Et il y a des noms comiques de villes de France où souvent ils se font voler leurs panneaux d'entrée d'agglomération. Et c'est le cas par exemple de Arnaque La Poste, qui fait toujours sourire. Mais il y en a d'autres. Il doit y avoir Montcuq, justement, qui est archi célèbre. Il y en a d'autres. Ah là là, c'est du vandalisme débile. Ah, je suis en train de me rappeler, je vous ai toujours pas fait la démonstration dans mon Discord. De retrouver l'écran de chargement version PC du jeu avec la carte routière. Faut que je retrouve ça sur internet et que je vous le publie. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas pu l'implanter dans cette version PlayStation. Oh là là. C'était tellement bien foutu, hein, sans déconner. Il y avait le tracé en rouge au marqueur sur la carte routière de l'étape du proposé là. Et c'était tellement pertinent que quand on voyait les bâtiments modélisés, on pouvait dire, ah bah tiens, là c'est le village de Elzelswir, là c'est Machin Wood. Non, c'était vachement bien foutu. Je m'amuserais bien justement à faire le comparatif de l'étape modélisée et l'équivalent sur Google Studio U, quoi. Oui, j'avais vu ça, la doyenne, ouais. La japonaise, ouais, qui est paix à son âme. Et oui, c'est une religieuse maintenant française, ouais, sœur André de 118 ans, ouais.
D'ailleurs, pour la japonaise, son secret de... entre guillemets, secret, on demande toujours au doyen quelle est son astuce pour vivre vieux. La japonaise, elle disait tous les jours réveillée à 6h du matin. Cric-crac, pas d'exception. C'est le fait de bien rythmer l'horloge biologique, bah, ça aide à la longévité. Être réglé comme un coucou suisse, c'est bon pour l'organisme. Et là, je fais mon vilain. N'est-ce pas, Fun Fan? Je te taquine. Ah là là. Ah, voilà, l'étape est déjà finie. Avant-dernière étape, je crois, non? Je vais aborder la cinquième, non? Elle devait se coucher à 21h. Oui, bah oui, c'est comme moi je fais par défaut, c'est ça. Moi, je me piotais à 21h. Normalement, je m'endors vers les 22h, 22h30. Et naturellement, 6h du mat, c'est bon, je suis prêt, frais comme un gardon. C'est ça, c'est l'avant-dernière. Toujours de nuit. Ingerbreak. Sacré nom. Ingerbreak. Bida. L'âge de 111 ans. Mais c'est vrai que statistiquement, on voit que les dames vivent plus longtemps que les hommes. Il y a souvent des doyennes et quasiment jamais de doyens. De l'humanité, hein, je précise. J'ai envie de dire le grand vainqueur à l'international, là. Hop, 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 hop. J'ai grave merdé mon freinage. Faut que je fasse gaffe et pas bousiller mes phares. Voilà, c'est comme ça que j'ai plus de phare. Et là, j'aurais fait 20 morts. On l'a vu, c'est horrible. En vrai, les spectateurs se mettent pas là. C'est pas possible. C'est beaucoup trop accidentogène. Surtout de nuit, en plus. Alors, je prends le risque de ne pas entendre mon copilote, mais en rallye automobile, vous saurez qu'il y a des commissaires de course qui passent avec deux voire trois bagnoles avant le passage du premier concurrent. Pourquoi ? C'est évidemment pour voir s'il n'y a pas d'incident, de débris sur la piste avant l'ouverture de l'épreuve, voir s'il n'y a pas des zigotos qui font des idiots et qui se mettent en danger ou mettent en danger les concurrents. Et les voitures en question sont estampillées 0, double 0 et triple 0. Mais il est rare de voir la troisième voiture triple 0. Généralement, c'est pour les compètes à l'international. Sous-entendu, ils ont du fric pour engager autant d'inspecteurs de course, quoi. Et encore, quand je dis engager les inspecteurs de course, il y en a beaucoup dans la discipline. Alors, rallye, honnêtement, dans les ratios, je sais moins. Dans tout ce qui est grand tourisme, il y a beaucoup de bénévolat. Bravo à eux. Mais l'idée d'avoir un pécule, d'avoir un salaire versé, c'est assez flou. Même moi, vous voyez qui suis passionné du sport auto, j'ai souvent eu des échos comme quoi
Les organisateurs, entre guillemets, abusent du fait que certains soient vraiment passionnés de la discipline pour les faire bosser bénévolement. Alors, ils ont quand même des avantages, hein. Ils ont un pass VIP, ils ont le droit d'aller voir les coureurs, d'approcher les équipes avant et après les épreuves. S'il y a des débris de crash, alors ça dépend des disciplines, mais même en Formule 1, alors que ça coûte une blinde évidemment, parfois ils ont le droit de garder en souvenir des débris, des fragments de bolides accidentés. Ça peut paraître bizarre, hein, mais il y a un côté, on va dire, fétichiste mécanique là, mais ça se fait, ça se fait. Hop, 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 hop. Impressionnant, on n'a pas le droit de sortir puisque vous voyez c'est en cuvette, on n'a pas le droit de déborder, ça fait bobsleigh là. Hop hop hop, je vais encore me désosser un peu plus. Tant que c'est pas les phares ça va. Oh, j'arrive plus à me mettre droit, c'est un cauchemar ce genre de piste. En cuvette bobsleigh là. Vous sortez de la trajectoire, c'est mort. Ah, non, dernier, non, j'ai fait de la mouise. J'ai fait de la mouise. Alors, j'espère quand même que la dernière étape sera sous le soleil, enfin, de jour, je veux dire. Oui, attends, je vais te lire, Fun Fan. Tu m'as pondu des choses à lire. Ah, mon dieu. Attends, je vais m'assurer que je vire les chronos au premier pan. Pour qu'on puisse admirer voilà le ralenti. Alors qu'est-ce que tu m'as écrit? Ma génération de femmes travaille autant que les hommes, se met à boire et à fumer. Sexe et rock'n'roll, bientôt perdre ce record. Alors j'en suis pas si sûr, même si je. Effectivement je valide ton observation. Oserais-je dire que la gente féminine s'est attribué les vices de la gente masculine de manière très cliché, mais j'ai pas mal de justement dans les domaines de l'humanité, il y en a pas mal qui m'ont surprise. Oserais-je citer Jeanne Calment, la regrettée qui a le record absolu, je sais plus, à 123 ans, je crois, que c'était un truc de fou. Elles se font plaisir, c'est-à-dire que, encore que sucrerie, ça va, c'est vrai qu'il faut se méfier du sucre, mais alcool, il y en a qui picolent, qui s'en cachent pas, hein, dans les doyennes de l'humanité. Alors je reproche pas, je constate. Mais on verra, mais je suis pas convaincu que ça les fasse décliner au niveau de la... de l'expérience de vie. D'ailleurs, j'ai connu une... Quand j'étais plus jeune, quand j'habitais chez ma maman, j'étais lycéen, je me souviens, dans l'immeuble, il y avait une voisine qui était une grand-mère, une retraitée. Elle avait un caractère, je l'appréhendais, c'est horrible, hein. Chaque fois que je rentrais, j'appréhendais à l'idée de croiser, et bonjour madame. Mais, elle se désinfectait de l'intérieur, elle avait une bonne descente, s'en cachait pas. Et, à
Alors, je peux pas dire si elle a, elle a vécu centenaire, mais elle a atteint les 90 ans. Je la vois encore. J'ai oula. Elle se conserve de l'intérieur avec du formol, là, quoi. Pardon, hein, ça parle mal, mais franchement, c'est... Moi, jeune, ça me choquait. Je me disais, punaise, elle a la chance de, d'être dans le grand âge et elle s'est un boude. Ah, tranquille. Alors, évidemment, hein, je ne cautionne pas ce comportement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais voilà, observation. Je dis pas ça avec méchanceté ou sexisme, c'est un fait. Oui, bah voilà, je pense comme toi, tu vois, on est sur la même longueur d'onde. J'avais même pas lu ta ligne suivante. Ah oui, je fais vraiment vœu que la dernière étape elle soit de jour là. On me stresse d'être de nuit avec les phares. Franchement, ça tient presque du miracle que je les ai pas bousillés. Avec tout ce que j'ai. Surtout la barrière que j'ai percutée plein fouet là. J'étais en train de piler. Alors, que nous dis-tu? Je suis dégoûté. Le montage de Duke qui devait passer de 7h à 5h sur ma chaîne YouTube, il passe à 9h. Je suis obligé de mettre la vidéo originale de 7h. Alors je comprends pas pourquoi d'un rétrécissement de durée t'es arrivé à un truc en extension. Là j'ai loupé un épisode. Si tu pouvais développer ton propos s'il te plaît, Fun Fan. Parce que là je capte plus ta démonstration. La vidéo originale de 7 heures qui avait été normalement montée pour être réduite à 5 heures passe à 9 heures. Comment elle a pu enfler? Là, faut que tu m'expliques, là, Fun Fan, je suis désolé. La vidéo est longue, du coup, j'ai découpé 2 heures et je pense que ça perturbe YouTube qui rajoute 3 heures. Oui, je pense que je viens de cette échappe. Dans ton montage, t'as dû merder quelque chose. Parce que si tu dis que t'as réduit à 5 heures et qu'il te donne 9 heures, c'est presque le double 10 heures. T'as pas ralenti la diffusion à 50% de vitesse. Je connais pas l'outil de montage intégré à YouTube. Merde, pardon, parenthèse, j'ai pas de bol, c'est encore de nuit. Ah, oh, on va finir ce rallye de nuit. Ça, c'est couillon, par contre. Bon, tant pis. T'as pas merdé un paramètre? Non, j'ai rien changé, je peux pas le faire sur Twitch. Je sais pas quoi te répondre, mon pauvre Fun Fan, c'est surréaliste. Ton bug, ton souci est surréaliste. Ah là là. Pourquoi c'est la nuit? J'ai fait le montage et le découpage du moment sur Twitch. Ouais. Pour éviter ce genre de pépin, enfin moi c'est ma méthode, hein, mais j'utilise... Alors déjà, quand je vous diffuse, je demande à OBS de me faire deux flux.
je vous fais un flux de diffusion direct et je fais un flux enregistrement sur disque. Donc tout ce que je vous diffuse, moi, quand je coupe, j'ai mon fichier qui est tout près dans l'ordi, où j'ai la vidéo voilà, brute de ce que je vous ai envoyé sur Twitch. Ce fichier de rediffusion, en fait, moi, quand j'ai besoin de faire un montage, je me l'injecte dans un éditeur de vidéos que j'adore. Ça ne tient qu'à moi. Il y a plein de logiciels d'édition vidéo. J'en utilise un qui est libre et gratuit, qui s'appelle OpenShot. Ou OpenShoot, je ne sais plus comment on prononce. Après, il faut réussir à le maîtriser. Il faut prendre le temps de se former dessus. Il va à l'essentiel, hein. On est loin d'un Adobe Premiere où il y a 50 milliards d'options. Mais il est très bien. Que dire? Après, il faut le. J'irai le plus chiant, il faut maîtriser l'encodage du résultat de ton montage. Et puis après, je réinjecte la bête, la vidéo. Merde, je fais des étincelles avec les buissons. Attention, feu de forêt! J'injecte le fichier final dans le monstre qui est YouTube, qui l'ingère avec joie. Et mince, j'ai retourné comme une crêpe, comme une tortue, comme disait Olive tout à l'heure, ma tuture. Ah, soupir! Et c'est bien, je suis en train de désosser ma voiture. Je vais avoir un problème d'aérodynamisme, mais moins sera plus légère. Et voilà quoi, bref, tout ça pour vous dire, je vous recommande OpenShot, qui est vachement bien. Alors, j'avais déjà testé une fois sur Windows OpenShot, donc voilà, ça se passe bien, mais j'ai l'habitude de l'avoir dans ma distribution Linux. Oh. Lamentable. Ridicule. Que fais-je? À gauche. Oh mon dieu. Oula, 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 le relief. Oula, ça descend. Ça m'en fout. La bagnole. On aurait dit des cheminées industrielles, mais à même le sol. C'était trop bizarre ce qu'il y avait sur la droite. Alors la question que je me pose, c'est que est-ce que je peux redemander en compète libre, qu'on appelle ça, contre la montre, les mêmes étapes, mais sous d'autres conditions météo. Parce que là, franchement, ces étapes-là, je demanderais à les refaire de jour, là. Ça m'intrigue ce que j'ai vu sur le côté. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça représentait là. Trop bizarre. Ah! D'accord. C'est l'arrivée. L'arrivée a encastré. Bien la loge du Roussillon, bien joué. Ah, je connais pas Da Vinci Resolve. Ouh, c'est un jeu d'énigmes. Résoudre les énigmes de Leonardo da Vinci, non? Oui, quelle plateforme, comme dirait FunFan.
Quelle plateforme et c'est quel style de jeu, s'il te plaît, Twinsen? On veut des précisions. Tu nous en as dit pas assez. Complète ton propos, je t'en prie. Merci. C'est un logiciel gratuit de montage vidéo. Ah ouais. Ah tiens, le nom ne laisse pas suggérer. Ah tiens. DaVinci Resolve. Et tu l'utilises toi-même si tu le proposes là, tu as une scène. C'est bête, hein, je m'attendais à un jeu moi. Ayant déjà oublié que j'avais lancé le sujet des logiciels de montage vidéo, enfin d'édition vidéo. DaVinci Resolve. Ah, bah, je jette un coup d'œil alors. Pas encore mon ordi RAM de trop. Ah oui, mon pauvre. Oui, c'est vrai que t'as une bécane pièce de musée. Ouais. Oui, tu une scène et le roi des bons plans. C'est un régal. Merci à toi, mon cher Tunsen. On aura cesse de te remercier pour tes références partagées. Oui, d'ailleurs, je vais vous écrire le mien pour ceux que ça intéresse. Voilà. Moi, je parlais d'OpenShot. Macintosh, Windows, Linux. Oui, il est multi-plateforme. Ouais, c'est bien. Comment je l'ai... Mais franchement, bêtement retourné comme une crêpe, quoi. Et je crois que c'est dans ce secteur qu'il y avait les espèces de cheminées là, industrielles sur la droite. Alors évidemment, si la caméra est pas bien placée, ça va pas être top. Il y a aussi Hit Film Express, plus simple, mais aussi puissant et gratuit. Alors c'est dingue, les références que tu donnes, elles ne me parlent pas. C'est déjà... Il y a déjà moins d'enthousiasme, je le crains. Filmora, mais pareil, je connais pas. Ah! Non, j'arrive pas à voir ce que c'était. Je comprends pas. Ça, c'était pas un silo, je pense pas. Ça faisait franchement cheminée industrielle, mais ce qui est bizarre, c'est que la cheminée démarre du sol même. Alors, à moins que ce soit une usine enterrée pour je sais pas quelle raison, c'est vraiment bizarre. Championnat de Grande-Bretagne. Oula, zéro pointé. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà, c'est bien, on a fait le tour des 36 épreuves. Par contre, là, on va démarrer l'arcade.
Attendez, je suis en train de me dire, je peux pas sauvegarder ce que j'ai fait. Pas peut-être bien de sauvegarder pour le principe. Je suis même surpris qu'il me l'ait pas proposé d'ailleurs. Hop là. Voilà, sauvegarde terminée. Allez, on va se lancer dans l'arcade. Et vous allez voir que c'est un poil différent. Ouais, t'as mis une nouvelle... Alors, je quitte la Peugeot 106. Je prends autre chose. Non. Est-ce que je prendrais une grosse bête, tiens, pour changer? On va dire une voiture large. J'aime bien la Renault Mégane aussi. Ah, la RS 2000 Kit Car. Tiens, j'ai bien envie de l'essayer, celle-là. Premier à s'investir en catégorie Formule 2. Avec à la clé un titre dès 96 dans le championnat anglais, grâce à l'escorte pilotée par Gunnar Evans. Si les voitures ont beaucoup progressé depuis, l'escorte n'en demeure pas moins une machine performante. Son comportement est relativement facile à régler. Le moteur 2 litres développe tout de même 260 chevaux et la transmission est particulièrement fiable. Plus récemment, le tandem constitué par Stéphanie et Rachel Simonite a prouvé que bien mené, la doyenne de la Formule 2 est toujours capable de terminer dans les 5 premières places. Intéressant. Bienvenue au Vauxhall Rally of Wales, première manche du championnat qui a élu domicile dans les sous-bois du Pays de Galles. L'adhérence est d'habitude extrêmement précaire sur ces étroits chemins de fer et avec une forte dénivellation du tracé et la neige des dernières spéciales, il est essentiel de trouver les bons réglages de châssis. Organisé sur route lors des premières éditions, le rallye a changé pour les chemins forestiers en 1975 et ne les a plus quittés depuis. Plusieurs pilotes aujourd'hui illustres s'y sont imposés. C'est ainsi que Colin McRae, Richard Burns et Malcolm Wilson ont tous goûté au champagne de cette épreuve qui ouvre traditionnellement la saison. I'm a stranger in this room. With its heat that doesn't stay. And my snow tracks away from you. On va dire que je remplis les formalités d'usage, là, avant de pouvoir me lancer. Allez, on y croit. Alors, particularité de l'arcade, en fait, on va voir les concurrents. C'est-à-dire que vous êtes contraint de dépasser des concurrents sur des étapes qui sont, pour le coup, je crois, fictives. Je suis pas sûr que ce soit des vraies étapes. À vérifier, je suis dans le doute. Mais là, pour le coup, il va y avoir de véritables dépassements à effectuer. On n'est pas seul comme dans le championnat normal. Oula, le bruit de motorisation n'est pas le même. Voilà, vous voyez, un premier concurrent. C'est vrai qu'elle se pilote bien, la RS 2000, j'aime bien. Elle a une très bonne adhérence. Une Micra, ça, qui nous fait face. Oh putain, n'attendez pas à ce qu'elle fasse le virage comme ça. Oula.
Je me disais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un concurrent que je rejoigne aussi vite. Il m'a fait peur, Sidio. Là, c'est une SAT Ibiza là, qui nous fait face normalement. Qu'est-ce que c'est que ce tarponnage à la noix? J'ai le droit de lui claquer la bise, mais de là à me stopper net, là la physique elle est un peu délirante. Bon, j'ai trop braqué moi du coup. Même pas, j'ai pas les bonnes pneumatiques. Heureusement que la boue est minoritaire. Là, je dois avoir des gommes pour le gravier. Là. J'en ai dépassé 2 sur 3, je sais plus. Je sais plus combien j'en ai dépassé. Je sais plus comment ça se passe l'arcade. Alors là, j'ai hâte de lire l'écran suivant parce que mémoire effacée, ce qui me concerne. Je sais plus si c'est très punitif l'arcade ou pas. Ah bah j'ai fait la moitié, 2 points. Non, je peux continuer, d'accord. C'est un cumul, ok, de points. Ok, ok. Je sauvegarderai sur carte mémoire à la fin, quand je rendrai l'antenne. Je vais pas sauvegarder à toutes les étapes. Mais du coup, je suis dans le doute. Parce que je vous avais dit, c'est des étapes fictives, mais je suis vraiment dans le doute. Je me demande si c'est effectivement pas les étapes originales du championnat, et donc les vraies étapes de l'époque. Normalement, le jeu est basé sur le rallye de Grande-Bretagne pas de Grande-Bretagne. Royaume-Uni de 99. Voilà. Que je me plante pas dans la présentation. Le pire, c'est que j'ai fait ça en championnat il y a 3 jours. Et je m'en souviens déjà plus. Ah oui, je m'en souviens du pont. Il est vicieux. Lécher le mur du tunnel, là, ça m'a ralenti grave. Hop, c'est pas bon ça. Ça a renversé la bagnole. Pas monter sur le talus. Pas monter sur le talus. Ouh là là, je suis à la peine. Ça y est, c'est mort. Oh, je vais me remettre droit. Putain, mais c'est l'enfer. Foutu pour foutu là. Tout doux. Voilà, remets-toi droit.
Oula. Oula, oula la la la. Non, non, je reconnais les étapes. C'est pas du fictif. C'est véritablement les mêmes étapes en fait. Je vous ai dit une grosse ânerie quand je disais qu'il reprenait les éléments du jeu et qu'il les avait disposés de manière aléatoire, fantaisiste, en mode arcade. Pardon, mais à culpa, mais je dois confondre avec un autre jeu de rallye du même genre qui observait ce procédé. Je vais avoir un très beau zéro pointé là. Là, je suis en mode touriste là, je suis plus en compète. On va s'arrêter sur le bord de la route à y accueillir les champignons là. Tourner tellement que ça descendait. Ah oui, c'est la descente vertigineuse que je supporte pas. Oh là 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 là. Ce dénivelé de fou. Alors là, évidemment, bah oui, tu te fais renverser. Avec un truc pareil. C'est impossible de la descendre d'une seule traite, cette portion. Impossible. J'ai gagné. Bonjour Dragon Sky. Oula, pardon, faut que je me concentre. Non, je t'ai pas dit de monter sur le talus, mais qu'est-ce qu'elle me fait elle? Je suis désespoir, on verra pas un concurrent hein, sur cette étape, hein. Je suis nullissime, ils sont déjà bien loin devant. Mon zéro pointé, je l'aurais bien mérité. Oui, droite 5, décidément. Oh, je me coltine la pelteuse. Attendez, ah oui non là c'est un... D'accord, c'est une voie de dégagement, faut que je prenne la boue. Mais ça m'avait déjà fait le coup la première fois. Je m'étais fait avoir comme un bleu. Oh non, mais non, j'ai pas touché la pile de bois là. Ah oui, la fin de mon canevas. Oh pitié.
La voiture est dans un état. Ah, d'accord, vous n'êtes pas qualifié. Oula. Vous avez besoin de points pour progresser. Essayez de mieux faire sur cette spéciale. Alors comment ça se passe une fois qu'il me... Ah oui, il force. Je suis obligé de me recoltiner l'épreuve. On va essayer de faire mieux. Oh la vache. Là c'est du... Mais c'est pas mal quand même de jeu. C'est... Comment dire ? C'est de l'apprentissage forcé, j'ai envie de dire. Pourquoi pas ? J'accepte, hein. On va voir. Mulet à grosse tête. Bien. Ah, tu vas au boulot ? Bah, bon courage à toi, Olive. Merci d'être passé. Ouais, c'est bien, elle est bien ta nouvelle biographie Twitch. Wouah, je commence très mal l'étape. Attendez, je vais me concentrer. Qu'est-ce que tu racontes, une scène? Ah, appel à un énergétique de la maison, oui, d'accord. C'est bête, mon dieu. Attendez, pardon, je vais essayer de me concentrer. Je commence à faire pire que précédemment, ça craint. Ouais, bon courage à toi, Olive, ouais, pour le boulot. Merci d'être passé. Bisous tout plein. Pas réussi à tourner, je sais pas pourquoi. À mon avis, j'avais pas d'adhérence. Descendre de la mort. Impossible. Impossible. Là, j'étais délicat. Je trouve que j'ai bien abordé. Et je ne peux que me retourner. C'est quand même redoutable. Come on.
Ah, un concurrent, c'est bon signe. Merde, je suis retourné comme une crêpe. Oh non, ridicule. Comme la première fois, encastré, j'ai pas l'air d'aller devant. On considère que je suis dans le décor. Ah, j'y arrive pas. Ça me rend fou cette intersection. Attendez, pardon, je vous lirai à la fin de l'étape. Ben voilà. J'en ai doublé aucun, il va me dire encore que j'étais nul. Bon, j'ai quand même vu le concurrent, là, pour cette deuxième fois. On va finir par y arriver à force de la faire en boucle. Alors, je vous lis, attendez. Ah oui, donc t'avais un appel énergétique, oui, t'as dit, madame, je suis ZF, elle a accroché, oui, elle est pas mal. Donc, 29... 28, 29, anticipation, oui. T'as pas mal de bugs de collision sur ce jeu, non? Il a un côté perfectible, ouais. À ce niveau-là. Non, ce que je rigolais avec Olive tout à l'heure, c'est que même c'est ce qu'on appelle les hitbox, hein, enfin, je t'apprends rien, les boîtes de collision. Tu as des buissons, des haies taillées qui sont durs comme du béton armé. Quand tu t'y frottes, déjà tu fais des étincelles. C'est malheureux quand même de déclencher un feu de forêt. Mais ça te stoppe net quoi. Tu tapes bien, tu désosses ta bagnole quoi. Je perds souvent mon pare-choc avant et arrière. Mais bon, ça fait partie des petits défauts du jeu. Mais il a de grandes qualités et il est magnifique. Là, on traverse tout ce qui est bois et campagne, et parfois deux trois petits villages anglais, c'est un régal. Bon, je vais finir par la maîtriser cette top pas la CON. Chouille du bas côté est blanc. Je vais pas aller loin en arcade, hein, je vous le dis.
passage que j'améliore quand même, le coup n'est pas perdu. Ah, la descente de la mort. Ah bah l'autre barre doublée. Il fait comment lui? D'accord. Il fait pas mieux que moi. Du coup c'était intéressant d'observer. La vache, la patate qu'il a l'autre. Une distance, j'hallucine. Chiant à dépasser lui. Ma bagnole qui se décale au moment où je pense faire un dépassement propre. J'adore. Oh! C'est la boue, faut que je prenne. C'est la boue, c'est la boue. Je vais finir par reconnaître la boue. Ils ont mis un peu de tronçonneuse, tiens, c'est rigolo. Évidemment, il n'y a pas de place pour dépasser, c'est génial. J'aimerais finir cette étape au moins avant-dernier. J'étais presque. On y croit. Je vais le dépasser, le laisser derrière moi, le troublion là. Ah là 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 là. Bon, ça reste encore du plaisir, mais ma frustration commence à monter là. Je m'en agace. Ce qui est chiant, c'est jouer de la portière et raccrocher le concurrent, ça ruine tout. Ça ruine tout. Si là, j'arrive pas à être mieux, je retente une quatrième fois, mais je bidouille la bagnole pour que j'ai davantage d'accélération au niveau des rapports de boîte de vitesse. Ah là 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 là. Puis après on arrivera vers les midi, je rendrai l'antenne. Puis j'ai bon espoir qu'on se retrouve de 14 à 16. Voilà. Faut juste faire vœu que j'ai pas trop de soucis techniques.
pour que j'imprime mon bazar là de tout à l'heure de ma réunion de travail. J'ai voulu déraper sans freiner, juste en décélérant, et elle a pas aimé. Elle adhère trop, elle a tiré tout droit. Donc j'ai pas le droit de faire ça avec la manuelle là. Oh, un classique. Je vais me retourner au moins 4 fois. Je suis plus à sa place. Toujours le tunnel. Je peux pas sortir de ce tunnel sans y laisser mon capot arrière. Enfin, mon pare-choc arrière. J'avais réussi à monter le talus et à redescendre sans me renverser. C'est pas grave. On continue, on ne désespère pas. Qu'est-ce qu'elle est prête cette étape, c'est moi. Non, je le vois toujours pas l'autre devant, tu m'étonnes, vu le temps que j'opère. On dit ça gauche, ouais. C'est à la sortie de ce virage que je vois le concurrent normalement. Je ne le vois pas, ça craint. Ah, ça y est. Je défonce, je m'en fous. Je suis rageux là. Oh merde. Les duels, c'est mal fini. Cette descente de mort. Et l'autre, il a pris la poudre d'escampette. C'est pas comment parce que le terrain s'y prête pas, mais bon. Allez, bouge ton boule! T'as perdu, laisse-moi passer. Non. Non. C'était une blague. Oh là là. Oh
boue, la boue. Mais j'ai pris la boue. Allez, 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 allez. Ah ben, un problème d'électricité dans la boue, c'est une horreur. Salopard, il a une meilleure motricité que moi là, je sais pas pourquoi. Cette humiliation. Ah non. Je vais bidouiller la boîte de vitesse là parce que ça m'en fout là. Pour pas vous faire subir ça, en fait, si je perds encore, j'essaierai de la passer hors antenne. Et puis la prochaine fois, je vous refais le jeu là, en arcade. On sera à l'étape suivante. Hein. On sera à l'étape suivante. Putain, mais j'ai déjà tout dans l'accélération. Je peux pas faire mieux. Putain. Je peux faire des suspensions plus souples, ça peut m'arranger, mais... Oh. J'ai pas envie d'ouvrir l'angle de braquage parce que c'est tellement... Je prends le risque de prendre des gommes terre, on va voir ce que ça va donner. Sans son conviction. Ainsi, je suis sorti du tunnel avec mon pare-choc arrière. Merde, j'ai trop léché l'extérieur. J'ai l'impression d'avoir pris une meilleure gomme. Hein. Mon choix me semble plus judicieux parce que j'ai une meilleure adhérence et une meilleure réactivité de la voiture. Je me sens plus à l'aise là.
Oh là là. Le dénivelé est tel que je suis obligé de freiner pour ralentir la course de la bagnole. Impossible. Je peux pas me remettre. Impossible. Un cauchemar, cette portion. Et évidemment, l'autre a repris sa place loin devant. Ça a ruiné ma progression du début. Ah, c'est rageant. Hein. Non mais l'autre, il est parti en Espagne là ou quoi? Oh là là! C'est dément l'avance qu'il a prise. Comparé à ce qui s'est passé. Voilà. Le plastique. Et là, je sais pas pourquoi, il a un bonus de propulsion dans la boue, mais vers la fin de la boue, je comprends pas. Donc je peux pas le doubler. Donc il va gagner encore. Et c'est ultra rageant ce truc. Je comprends pas là, sans déconner. Il y a des phases de portions de tracé. Il se prend pour une bagnole de catégorie supérieure. Alors que c'est pas justifié là. Ça déjoue les doigts de la physique, c'est rageant. Je comprends pas. Ah. Bon bah. Tant pis quoi. Tant pis. Bon, j'ai enregistré que je me suis acharné 5 fois sur cette maudite étape. Je vais vous abandonner là. Je vais sûrement vous faire un relais chez quelqu'un qui, je sais pas. Alors, attendez. Est-ce qu'il sauvegarde? Sauvegarde terminée. D'ailleurs, si je publie cet après-midi, je diffuse, pardon, pas publier. Je sais pas ce que je vais vous proposer. Ce sera au pifomètre. Alors attendez. Voilà. Que je vous dise un petit coucou, bye bye pour la pause déjeuner. Ouais, il y a Gimbal qui fait du... L'ami Gimbal qui fait du Hollow Knight. Je vais vous mettre chez lui. Alors merci à vous d'avoir été là. C'est bien, je vous rassure. Au moins, moi, je me serai un poil relaxé. Quand même. Même si sur la fin, j'aurais été frustré par... par la deuxième étape là où j'ai chu au niveau de l'arcade quoi, mais bon, c'est le jeu. J'essaierai de me cotiner ça hors antenne et de me décongestionner, on va dire,
Dans cette difficulté, la reprise, théoriquement, je dis bien théoriquement, je vous proposerai tout à l'heure un 14-16h. 14h-16h. Parce qu'à 16h, il faudra que je me barre. Il faut juste espérer que dans les 2 heures qui suivent, j'arrive à graver le DVD pour une collègue. Donc ça ne devrait pas être difficile, ça. Ma difficulté, c'est de me battre avec mon imprimante et qu'elle me crache les 5 dernières pages de mon rapport que je puisse bosser ce soir. Voilà, dans ma réunion. C'est mon souci. C'est perdre du temps avant avec l'imprimante. Et puis je vais me faire du miam. Donc bon app à vous. Et très probablement à tout à l'heure. Je pense qu'il y a une forte probabilité que je reprenne l'antenne. J'ai besoin de me relaxer quand même. Voilà. Bisous tout plein. Allez, on file chez l'ami Gimbal. Qui fait du. Ça y est, j'ai déjà oublié le nom du jeu. Ah, Hollow Knight. Hollow Knight, normalement, le nom du jeu. Voilà, ouais, c'est ça. Bisous tout plein. Prenez soin de vous.